Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Yop Juste Lame avec notre poteau, le Kraespingle, pour passer la quête sans cochon avec la broche légendaire, tout simplement. Pour le stuff, on est sur le stuff classique et avec Maître Juste Lame et Puissance Juste Lame. Pour la broche légendaire, donc c'est le groin d'acier qui donne 40% de vie max et 20% l'attaque des cochons. À chaque début de tour, il donne une aura Bushi. L'aura Bushi, qu'est-ce que ça fait? À chaque début de tour, ça donne donc une aura Bushi sur un mob quelconque. Et ça donne 100% de chance de coup critique au porteur. Donc ça fait qu'on se fait énormément crit pour cette quête et cette broche. Quoi d'autre à dire? Quand il est astral, il donne un aura Bushi et consomme l'état élémentaire. Et voilà, je pense que c'est tout. Rien d'autre de spécial à dire sur cette quête. On va juste lancer. C'est parti. Let's go, let's go, let's go. Ok, let's go. Je vous fais voir le stuff de notre Kra Espingle Rapidos. Anoculaire, Anopsidé, Gélano, Anodame, Brassard, Éventé. Lui, faut qu'il se foute ici. Alors, ce qu'on fait dans ce combat, c'est qu'on gère l'élite en priorité et après les trash. Et on termine par le boss, en général. Tout simplement. Et normalement, ça se passe plutôt pas trop mal, comme ça. J'ai pas trop envie de bouger parce que je peux me faire vraiment éclater, là. Je peux me faire catatrap si je viens à côté de mon bro. Ils peuvent repousser tout simplement. Donc ça c'est chiant. Mon mate qui me dit qu'il a peut-être un burst 3 pew. Ça pourrait être pas mal effectivement. Je vais me mettre là. On va taper l'élite un max. Ok. 1, 2, 3. Normalement, il me focus pas, lui. Ah, si, il va me taper. Ok. Je vais prendre une petite sauce quand même. Ok. On est pas mal en vrai. On est pas mal. Par contre, j'ai pas un tour fou, malheureusement, d'armure après là. Je pense qu'il devrait gérer l'élite. Il devrait gérer l'élite assez facilement en réalité. Avec son 2 pew là. S'il peut gérer en plus le boudeur bouché, ça serait incroyable. Mais déjà, s'il gère l'élite. Ok, l'élite est mort, il me dit par écrit. Parfait, parfait, parfait. C'est chiant que j'ai pas un autre sort à 3 ici. Du coup, on va juste toucher Thérèse, je pense. Ok. Il tape bien le boss, c'est cool. Faut espérer que j'ai un éventuel crit, je pense. En vrai, il aurait peut-être dû taper lui, mais il avait les deux pions alignés. Ok, il m'a bien cover. Il a fait un tour de fou, là. C'est bien joué, en vrai. Il a vraiment fait un gros tour. Putain, le tour du Kraespingle, les gars, c'est... Enfin, à chaque fois, je suis choqué. Franchement. À chaque fois, je suis choqué. C'est quoi ça? Non, mais faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Non, mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il vient de mettre en tour là? Ben, c'est. On n'a pas les mêmes tours, hein. On joue pas au même jeu, hein. Oh, le Pew. Ok, il peut pas me taper, je crois, le boss. Il a le seum. Parfait, ça. Parfait, parfait, parfait. Tout se passe pour le mieux. Euh,
Il a deux pew, c'est exceptionnel. Le fait qu'il puisse garder deux pew ici, c'est exceptionnel. On le regarde jouer, nous. On chillax, les gars. On chill. N'hésitez pas à vous faire un petit café, à boire un coup. À prendre un petit truc à manger, mais on se met bien. En vrai, c'est... Vraiment, les tours me fument de l'expingle. C'est trop trop grave. Je vous refais voir le build si vous le souhaitez. Mais c'est des tours comme vous n'en avez jamais vu. On va faire ça. On fait quoi? On fait... Je sais combien là? Accumulation, elle est pas folle mon accumulation. Oh, j'ai abusé en vrai, j'étais pas obligé. Juste virer ses pew. Comme ça le mob il peut pas les tuer. Et on est free normalement maintenant. Bon, le boss tape fort comme il se met des aura bouchies autour de lui, mais en vrai c'est gérable. Ok, bah il l'a tué. Il a fait 3 pew. Bah merci à lui hein. Merci à lui. C'était plutôt simple. Il a une bonne sortie notre Krala, du coup ça aide. Si jamais vous galérez à passer le combat, des fois vous avez les showstrap qui sont trop près de vos persos, vous faites repousser et showstrap, ce qui fait que vous êtes confus, vous vous retrouvez au milieu de la mêlée, etc. Donc n'hésitez pas à refaire le combat quand c'est comme ça. 500 de fragments de Wakfu, ça fait grave plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Fatrat, je vous fais des bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.